Précédemment dans le messager. La police recherche toujours activement cet homme accusé de pédophilie. Mais vous êtes qui ? Ça y est, t'es réveillé ? Maintenant tu vas comprendre que ta cause est perdue. Je crois qu'il arrive, oui, c'est lui, le voici. Enfin, là. Donc nous avons vu depuis notre dimension une autre espèce qui est en train d'envahir votre planète. Putain ! Connard ! Si je ne t'ai pas signé ici et maintenant, c'est parce que j'ai besoin que tu récoltes des informations sur les travaux de clonage de ton ami, le scientifique. Et tu vas devoir être patient. Je t'aiderai à retrouver la mémoire, mais j'ai encore deux, trois choses à régler ici. T'inquiète pas, je reviens dans deux semaines. Oui chérie, c'est moi. Oui ma chérie. J'ai pris une correspondance un peu plus tôt, du coup je suis là en avance. Donc tu peux venir me chercher ? Bah j'arrive tout de suite. D'accord, on fait comme ça. Bisous. Allô ? Allô, Émilie ? C'est toi, Cindy ? Oui, c'est moi. Comment vas-tu ? Tout se passe bien avec ton enfant et ton fiancé ? Oui, tout va bien chez moi. Je ne t'appelle pas pour ça, c'est au sujet de Lucas. Lucas ? Qu'est-ce qu'il a ? Il va bien ? Pas vraiment. Il a été admis à l'hôpital hier soir. Il a abusé de la drogue. Ok. Je passerai le prendre. D'accord, je préviendrai le médecin. Merci, Cindy. Ne t'inquiète pas, les amis, c'est fait pour ça.
Je te laisse, j'ai du travail. À tout à l'heure. Oh, quelques problèmes. Ça fait pas d'habitude. Que pensez-vous de ce salon? Eh bien, pour tout vous dire, il est assez ancien. J'ai un budget assez limité. Que me conseillez-vous? Vous savez, ma politique, c'est le principe du homestaging. Nous allons réutiliser des choses qui vous appartiennent afin que ça vous revienne le moins cher possible. Ah, le moins cher possible. C'est exactement ce que je voulais entendre, mademoiselle Beckett. Essayez-vous. Merci. J'ai justement amené avec moi quelques croquis pour vous montrer tous les changements qu'on peut faire. Deux petites minutes, s'il vous plaît. Faites vite, s'il vous plaît. Excusez-moi. J'ai ici quelques dessins. Voyez-vous, si vous vous sentez mal dans cette pièce, c'est qu'il y a un problème de couleur. Vous êtes sûr qu'un changement aussi radical ne me coûtera pas les yeux à la tête? Faites-moi confiance, Monsieur Jobs. Vous savez, rien qu'avec une touche de peinture, on peut changer une pièce. Si vous voulez, vous pouvez passer à mon bureau demain, par exemple, et on établira un devis. Ah, très bien. Ok. Au revoir, alors, mademoiselle. Au revoir. Au plaisir de travailler avec vous. Allô? Où êtes-vous, monsieur Lourpillon? Je suis dans ma voiture, pourquoi? Arrêtez-vous, s'il vous plaît. D'accord, je m'arrête. Et attendez. Oui, je vous écoute. Je suis dans le regret de vous informer du décès de votre compagne. Elle est morte? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre édition de midi. Aujourd'hui, un rappel des événements historiques auxquels vous avez eu la chance d'assister la semaine dernière. En effet, l'humanité a pour la première fois fait la rencontre avec des êtres venus d'une autre dimension. Nous avons fait la rencontre de Rorschach, le leader du peuple Korolir. Celui-ci est venu sur Terre pour nous mettre en garde face à la menace du peuple Abios. Ce peuple est présent sur Terre depuis un moment déjà et n'a pour seul autre but que d'asservir l'humanité tout entière. Nous avons appris hier le meurtre de Elodie Martin à la guerre de Dol, exécuté par le leader de la menace Abios, Anto Belek. Nous vous invitons à contacter les forces de l'ordre ou du gouvernement si vous avez quelconque information à nous apporter à propos de cet individu très dangereux. Un dernier mot sur le pédophile actuellement toujours recherché par les forces de police. Ceux-ci semblaient être sur une piste, mais ont actuellement perdu sa trace depuis quelques jours. Nous vous invitons, une fois de plus, à ouvrir l'œil et à nous appeler sur ce numéro si vous avez une quelconque information à nous apporter sur le sujet. Vous étiez sur Jura TV, merci de nous avoir suivis et à demain à la même heure. Arthur. Il faut qu'on parle. Vous êtes l'extraterrestre ?
Certes, mais nous avons un ennemi commun. Le messager ? Le messager n'est pas le seul impliqué dans le meurtre de ta femme. Il y a tes amis aussi. Yuka et Emily ? C'est bien ça. Il faut que tu les tues pour moi. Comme ça, la protection du messager s'effondrera et je pourrai m'occuper de lui. Les tuer ? Non, je peux pas les tuer. C'est nécessaire. Je vais le faire. J'ai un petit test à te faire passer avant que tu te débarrasses de tes amis. Suis-moi. Qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que ce bordel, qu'est-ce que je fais ici là, oh ? Tu sais qui c'est ? Je crois. C'est le pédophile ? Qu'on recharge depuis des semaines ? C'est bien lui. Qu'est-ce qu'il fait là ? Alors tu fais quoi là ? Tue-le ! Non. Je peux pas. Cet homme est comme le messager, il n'a aucun scrupule. Il a violé 4 petits garçons et 5 petites filles. Tu crois vraiment qu'il mérite de vivre ? Non, il mérite pas de vivre. Connard, va ! Vas-y ! Vas-y, qu'est-ce que t'attends, là ? Foiré ! Fais-le. Tu sais comment faire pleurer un enfant deux fois ? La première fois... Je suis prêt. C'est quoi cette chaudasse là ? Oh mais... Allô, le Gérard ? Oui. Tu ne sauras jamais ce qui m'arrive là. Là, il y a une fille. Elle est en train de se déshabiller, de se changer devant moi. Elle m'a pas vu et je te jure, c'est... Oh, t'aurais dû venir, franchement, pour ça. Allô ? Allô ? Ah, m'en fous, je me la ferai tout seul. Vous êtes des êtres pitoyables. Eh ben, t'aimes pas ça ? Pourquoi tu te détaches pas ? Ah oui, c'est vrai, t'as perdu la mémoire. Tu peux plus te servir de tes pouvoirs. Pauvre petit, et en plus je vais t'utiliser pour rejoindre Kharkov.
la voilà, elle. T'en penses toujours pour lui ? Les histoires ne te regardent pas, Suna. Tout me regarde. On est sous mon toit. Laisse Anto partir. Ou je te massacre. Et sans faire d'histoire. Qu'est-ce que tu comptais faire? Mais je l'ai kidnappé pour toi. Tais-toi, tu ne comprends rien. On a besoin d'Anto pour rallier les humains à notre cause. Mais on est où? Ici Rorschach pour pas nous entendre. Les murs n'ont pas d'oreilles. Ça va, toi? Oui, ça va mieux, grâce à ton intervention. Mais avec Rorschach, j'ai peur que les humains nous traquent. Chut, t'inquiète pas, Anto. On va se cacher. Ça changera pas beaucoup de nos missions d'infiltration. Je me rappelle pas de grand-chose. Tiens, j'ai récupéré ça du labo de ma mère. Avec ça, tu devrais retrouver rapidement la mémoire. Avale-le. Merci. Tu m'as manqué. Toi aussi. Tu connaîtrais un endroit pour se cacher? Oui, sûrement chez des humains qui m'ont aidé. Il s'appelle Lucas. Bien, nous irons demain. Maintenant, tu me raconterais un peu ton voyage? Ok. Oui, monsieur le président. Ne vous inquiétez pas. Je serai présent. Oui, j'ai également hâte de faire partie de votre gouvernement. Comme convenu, vous serez nommé représentante d'espèce humaine. À bientôt, monsieur le président. Alors, tout se passe comme tu le voulais ? Oui, je vais enfin faire partie du gouvernement en place. Je pensais que tu aurais tué Anna quand tu en avais l'occasion. Je ne peux pas faire ça. Tu sais la fille de qui elle est. Oui, je sais. Mais avec tout ce qu'on a subi à cause de son père, je ne comprends pas ton attachement pour cet homme. Je ne suis pas attaché à lui. J'ai seulement du respect. Tu crois qu'il va réagir comment quand il va apprendre ce que tu mijotes sur Terre? Je traiterai le problème en temps voulu. Pour l'instant, rien ne m'empêchera de prendre ce qui me revient de droit. Par contre, je n'aime pas les traîtres. Vous en prie, mettez-vous à l'aise. Je vais vous installer ici.